salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de ma carrière sur FIFA 17, donc avec le Borussia de Dortmund. Donc on va jouer en Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais, donc le match de retour hein, de la phase de qualification, de phase de poule. Alors j'espère qu'on va réussir à faire un gros match. On va dire qu'il n'y a pas de raison, mais voilà, on sait jamais, on va éviter des petites avancées comme on a pu voir avec Paris la semaine dernière. Là, ça a été très compliqué pour eux. Donc, on va essayer de ne pas faire la même chose. Allez, Correa. Payet, on va le faire sortir. On va faire rentrer Dembélé. À la place de Rodeux, on va mettre Merino. Alors, là, il y a du changement à faire. Hein. Bender et Ginter. Voilà, très bien. Dybala, pour l'instant, il reste, il n'y a pas de souci. Il est revenu un petit peu en forme. Allez, lançons le match. Bon, j'espère qu'on va réussir vraiment à s'imposer, à faire des gros matchs. Hein, normalement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison. On va dire que je suis sur une relativement bonne lancée, mis à part ma défaite en... On va dire en coupe. Oh pardon, j'étais absorbé par, par le petit jeu. Bon, oui, on va voir, allez, c'est parti. Bien sûr, Hervé. Je vous laisse découvrir la je vais essayer de faire tourner un peu le jeu, là, comme il faut. Et voici le schéma tactique retenu par l'entraîneur. Les joueurs qui vont évoluer en 3-5-2, ils vont chercher à... Surtout à j'ai voulu la dévier, c'est dommage, c'était relativement bien joué, là. Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe du Borussia Dortmund. Ouais, attention, pas d'erreur. Ouais, ça va. Très bien. Ah, on est à Lyon avec les fameux Aou, lyonnais. Douglas. Ah bah, tac. L'équipe visiteuse, l'enjeu du match est simple. Hein, j'ai voulu faire la passe, elle est... Enfin, il l'a pas fait. C'est dommage parce que là, c'était plutôt bien vu. Hein, s'ils prennent les 3 points de la victoire, et ben, ça passera pour eux, quel que soit le résultat de l'autre match. Allez, allez, allez. Bon ballon sur le côté là. Situation intéressante là. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Ouais, non, finalement, ça a été intercepté. Oh, bien joué. Heureusement, là, le geste défensif, j'ai voulu faire une. Du moins un dribble, il l'a pas fait. Peut-être fait le geste technique un peu trop vite. Oh, il m'a mis un vent là, quel nu. Oh, joli. Le tir. Un double vent là. Ah oui, le bon tacle. Allez, va, voilà. On s'approche de la zone de vérité. Oh non. Oh, il a pas le droit de faire une passe aussi pourrie. J'ai oublié ce que je viens de dire. Maxwell Cornet. Gaëtan Perrin. Attention. Il faut que je fasse gaffe. Ouais, il faut jouer. Ça va. C'est bien bloqué. Interception. Paolo Dybala. Ça va. Ousmane Dembélé. Parfait. Ils prennent leur temps, ils posent le jeu. Allez, à deux, il y a du soutien derrière lui. On cherche un partenaire encore, ça circule bien. Allez, vas-y, 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 là. Götze. Ah, c'est ça profite au Borussia Dortmund. Pas évident quand même. Hein. Oh putain. Et l'arbitre qui revient pas. Gaëtan Perrin. Lucas Touzard. Ah, c'est dommage. Les Lyonnais qui essaient de porter le danger. Mais j'arrive pas du tout. Ah, ça ne passe pas. À prendre le meilleur sur la défense lyonnaise. Alors, je vais peut-être essayer de jouer un petit peu plus offensif là, pousser un peu. Ouais. Et là ici. Tout à l'heure il aurait dû revenir. Il a laissé l'avantage, mais l'avantage profite pas. Et il est parvenu. Là c'est dommage. Le centre est bon, mais c'est le défenseur qui s'interpose. Ça va. Non, non, les Coréens. Allez, va. Il est bon ce ballon là. Ouais, bonne passe. Oh là 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 là, Paulo Dybala, qu'est-ce qu'il loupe! Oh, le ballon était superbe! Dans l'espace, là, par-dessus la défense.
Le contrôle est magnifique, mais derrière, il loupe complètement son, sa petite balle piquée. Mario Götze. Ah non. La passe, par contre, n'est pas assurée. La moralité. Allez, attention, il ça me donne une perte de balle. Bon, attention. Ça va. Ouais, bon ballon par-dessus la défense là pour Dembélé. C'est un centre. Et pourquoi pas deuxième poteau. On l'a volé. Aïe aïe aïe, je tente hein. Alors on peut pas me reprocher de pas tenter au moins. Ça va. Bien donné de la tête. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ça va, tac. Ah, il garde magnifiquement le ballon, hein. Très belle séance de conservation. Ouh. Voilà, allez, on ressort. Allez, va, bonhomme. Rafael Guerrero. Voilà, bonne aura, j'allais dire le bon centre. Mais malheureusement, il n'a pas mis sa tête. Ah, c'est dommage parce que là, il y avait moyen. Accélérer un peu pour tenter de marquer. On est sur un score nul et vierge pour l'instant. C'est pas grave, moi le score vierge comme ça ne me dérange pas. Ah oui, dommage, par contre la passe. Maxime Gonalon. Marc Reus. L'attaque. Ouh, bah il fallait pas qu'il loupe son contrôle. Hein. Parce que là, s'il loupe derrière, je vais au but. Oh, le tacle et le ballon qui n'est pour personne finalement. On a peut-être une bonne occasion. Non. Ouais, ah, je l'assure pas, ma passe là. Il avorte finalement. Et on va jouer 2 minutes de plus. Ah, je suis là. Hein. On va dire, je suis assez agressif sur le porteur du ballon. Par contre, là, je suis pas du tout. Avec Aloulou, ça va. Bien récupérer ce ballon. Allez, mi-temps. Bon, première mi-temps, on va dire, un peu compliqué. Parce qu'on n'arrive pas à marquer, tout simplement. Hein. Si je marque, après, il n'y a plus rien de compliqué. Mais là, pour le moment, le début de la c'est pas le cas. Période qui est sifflé par l'arbitre à l'instant même. On rappelle qu'on en est à la 4e journée dans la phase de groupe. Et puis en espérant que cette seconde période soit aussi allez. Que la première. Un bon ballon d'attaque. Oui, ça pas de raison, Pierrot. Prise, tranquillement. Ça va. Ah non, les Coréens. Tranquille. Super ballon là. Belle passe en profondeur. Oh, double. Ouais, j'ai voulu la remettre. Ah, dommage. C'était presque bien joué. Et pourquoi presque? Parce qu'on n'est pas arrivé jusqu'au bout. Voilà, allez. Douglas. Mario Götze. Ça va. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Ouais, c'est bien osé ça. Mario Götze. Oh oui, la tête plongeante, c'est dommage. La tête plongeante là de Mario Götze. Attention. Et Marco Reus là. Le centre à suivre. Mathias Ginter. Oh oui. Et Ginter qui a mis sa tête. Mais sans grande difficulté parce que c'était pas assez appuyé. Encore un erreur important parce qu'il permet à son équipe de rester encore dans le match. Ah non, attention, il a contrôlé ce ballon. Ça va. Douglas. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Ça va, tranquille. On voit bien qu'il ne se précipite pas. Oh non, putain, la pièce, elle est déviée. Ça, c'est pas de chance, par contre. Remplacement qui a été demandé par l'entraîneur. Au prochain arrêt, là, je me suis jeté. Ouais, bien. Le bon appel de balle. Maxwell Cornet. Ouh, l'arrêt de Donnarumma. Premier vrai tir lyonnais et premier arrêt de Donnarumma. C'est bien vu de la part du gardien. Et prends la bonne. Ouais. Pour le gardien, tranquillement. Ça va. Entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109. Oui, on va voir si ces changements. Oh non, putain, pourquoi il arrive. Je comprends pas pourquoi ils arrivent pas à faire des passes en pivot comme ça là. C'est pas une passe qui est compliquée, c'est une passe à mettre juste derrière lui quoi. Je demande pas de faire une transversale de 50 mètres. Hein. C'est une passe qui est à faire à 2 mètres de lui. Hein. Oui, bien taclé. Ah, ça va. Ce n'est pas fini. Del Castillo. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah putain.
L'équipe à domicile qui devrait bientôt effectuer. Le mec il me fait tourner en bourrique comme ça. Ça c'est un truc par contre dans FIFA qui m'horripile au plus haut point. C'est... Le mec il a fait 8 fois le tour de lui-même, sur lui-même là pour réussir à au final à ce que moi, dans le dos, je prenne le ballon avec. J'y mets un petit coup dans le ballon. Le ballon part mais il arrive quand même à récupérer le ballon pour aller centrer. Et ça, super. Passe directement en touche. On va faire des changements parce que là, déjà Mario Götze, tu dégages. T'es pourri. Ah, devant Correa, on va le faire sortir. Et on va faire rentrer Aubameyang. Hein. Mais ouais, ça c'est un truc. Quand ça fait ça, là, FIFA, le mec il fait 8 fois le tour de lui-même, là, il tourne sur lui-même comme ça, 8 fois, tranquille. Boum. On peut pas y piquer le ballon. Et au final, pour aller centrer et marquer. Regardez les statistiques de pression. Ah, joué. Ouais, c'est ce que je pensais. Ils sont pas très proches. Sauf qu'au milieu, il y a une grosse. Dire, en vrai, ça. Quand même, je veux dire, en vrai, ça n'a aucun sens. Le mec, il tourne pas 8 fois comme ça. Hein. C'est une touche à venir. Attention, il a du champ devant lui. Allez, dans le couloir. Il la joue un petit peu comme au rond. Hein. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Ça va, allez. Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, j'ai aucune solution. Et voilà, et là je perds le ballon. Alors j'appuie sur croix pour faire la passe, je perds le ballon. Allez, très bien. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Personne là ? Bon, ok, super. Le joueur s'embarrassait beaucoup à construire maintenant. L'entraîneur a repositionné tout le monde pour défendre très bas. L'entraîneur vient de faire passer le message de son capitaine. Mais non, ça vaut pas. Ça vaut pas, ça vaut pas. Il dégage en touche pour aligner le danger. Alors je sais, je vois arriver Dave Dams qui va me dire tu devrais faire des changements de formation. Malheureusement, c'est un truc. Enfin, j'y arrive pas. En attendant l'ouverture. Allez, le Dembélé. Oh, Dembélé, dommage. J'arrive pas à me dire il faut changer parce qu'il faut tout changer d'un coup. Et je trouve ça long et fastidieux. Oh là 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 là. Égalisation là de Merino qui passe à côté. Oui, il sait que cette occasion était importante. J'en veux bien entendu. Voilà oui. Ah, cette fin de match qui s'emballe. Passe plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Ouais, ça c'est bien joué, ça peut peut-être aller au bout. Ah, super, un hors-jeu de toute façon. Il y a hors-jeu, donc aucun danger. Il faut que j'arrive à égaliser. Ça serait quand même pas mal. D'accord, super. Mec, il y a qu'un Lyonnais. Pour 3 joueurs de Dortmund, il va mettre le ballon au Lyonnais. Il vient de casser une occasion terrible. Allez. Ousmane Dembélé. Douglas. Allez, va, Bamé. Allez, faut qu'il fasse preuve de sang-froid parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Oh, dommage. Super barré là de Lopez. Par contre, là. Ouh, j'ai dit un Lyon qui prend des risques. Bien joué. Bon, ben voilà. La victoire lyonnaise est acquise. Oh bah écoutez, la semaine sur FIFA commence aussi mal que celle sur PES. Hein. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Regardez, ça déconne, le mec. Il a 20 mètres pour mettre un ballon. Il y a deux Lyonnais, un jaune. Au lieu de la mettre vers le bas, eh ben il va la mettre entre les deux Lyonnais, ce qui ne sert strictement à rien. Je veux dire, si vous avez deux Lyonnais comme ça, un joueur de Dortmund là, le but, on va dire, ici, vous vous rendez compte l'espace qu'il y a là? C'est là que je demande à ce qu'il la mette. Hein. Moi, mon joueur, il est là. Je demande à ce qu'il la mette comme ça. Bah non, il va la mettre entre les deux. Aucune logique, aucun sens. Hein. Mais bon, que voulez-vous? On peut pas avoir des sens à tout dans un jeu de foot. Bon, bah écoutez, avec PES ce matin, deuxième défaite de la journée. Première défaite de la semaine sur FIFA. J'espère que ça va revenir pour demain. En attendant, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain. Donc pour la suite de FIFA 17. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao tout le monde.